Donc aujourd'hui, on a été dans les cinq dernières semaines où on était vraiment plus dans le Nouveau Testament. Et là, on va faire un petit retour dans l'Ancien Testament. On s'en va dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, hein, c'est un prophète qui... Donc ça commence la série des livres des prophètes et... je vais juste faire une petite pause comme ça. Est-ce que vous pourriez, mesdames, vous asseoir plus là? Parce que je vais voir des gens, je m'excuse, je fais une pause, mais on aura fait une petite coupure, je me permets juste ça. Anyway, c'est parce qu'il faut que je regarde une caméra, comme vous savez, hein, qui est juste devant moi. Puis là, j'ai des gens qui sont là, fait que là, moi j'aime ça voir du monde, fait que ça, j'avais une petite ambiguïté personnelle, désolé. Donc, on fait un petit rewind, on va juste recommencer tout cela pour... Donc, aujourd'hui, on commence dans le livre d'Ésaïe, mais c'est une série qui va nous emmener jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, parce que de partir d'Ésaïe jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, c'est les prophètes. On trouve des prophètes. Donc, les prophètes, juste peut-être nous introduire un petit peu aux prophètes, c'est qu'il faut prendre chacun de ces livres-là comme cet homme-là qui parle de la part de Dieu, qui partage au peuple de Dieu qui est là autour de lui. Il parle pour ce moment présent dans lequel il parle. Mais en même temps, il y a toujours une deuxième couche à cette prophétie-là qui se réalise plus tard et qui se réalise des fois, qui est encore en train de se réaliser aujourd'hui en 2020. Donc, il faut voir ces livres-là, pas juste, des fois on lit ça et on dit « Ah oui, c'est juste des choses passées pour le peuple d'Israël dans le passé », mais non. Chacun de ces livres-là a une autre signification. Et je trouve que le livre d'Ésaïe, je catégoriserais presque dans l'ordre des évangiles. Parce que dans le livre d'Ésaïe, on retrouve l'ensemble de l'évangile. On peut presque avoir l'impression que Jésus est vraiment présent dans le livre d'Ésaïe, bien que ça ait été écrit 8 siècles avant la venue de Jésus. Imaginez. Mais on a vraiment l'impression que Jésus est là. Est présent. Donc, le livre d'Ésaïe, juste pour nous introduire, je sais qu'il y en a que l'histoire, ils disent « Ah, oh, je ne suis pas trop sûr », mais je pense que c'est important d'avoir quelques données par rapport à l'histoire, c'est que ce livre-là est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il commence comme avant l'exil, parce que le peuple a été déporté, parce qu'il avait désobéi à Dieu, donc il commence avant et on se retrouve après. Donc, il couvre quand même une période assez longue. Certains vont dire « Ah, ben Ésaïe n'était pas vivant de tout ce temps-là ». Il y a différentes interprétations. Certains qui disent que Ésaïe a eu vraiment, d'une manière prophétique, ce qui était pour arriver après, puis il l'a écrit. D'autres disent « Ben il a transmis ça à ses disciples, ceux qui le suivaient, puis ils ont écrit ». Mais ce n'est pas ce qui est vraiment important dans ce qu'on va voir dans ce livre-là, mais c'est de découvrir que Jésus est présent dans l'Ancien Testament, 8 siècles avant sa venue, et on va découvrir l'Évangile de l'Ancien Testament, mais cet Évangile qui est encore tout à fait présent, tout à fait identique à cet Évangile qu'aujourd'hui on prêche. Donc, avant de tourner justement dans le livre d'Ésaïe, et on n'aura pas la prétention de voir tous les détails dans le livre d'Ésaïe, je pense que j'aurais pu prêcher là-dessus. Il y a 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe. Je pense que j'aurais pu faire la route 66 dans le livre d'Ésaïe, puis prêcher un des chapitres par semaine facilement, sans aucun problème. Mais on va juste regarder, j'espère que ça va nous donner goût de plonger nos regards dans cet évangile qui était déjà là dans l'Ancien Testament. Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin dans ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous instruire. Seigneur, si tu ne parles pas toi-même, Seigneur, on aura beau écouter les enseignements, on aura beau même lire les Écritures, ça ne donnera rien. Seigneur, on a besoin que ton esprit vienne parler ce matin à nos cœurs, qu'il puisse nous conduire, nous diriger. Et Seigneur, permets qu'on ne puisse pas ce matin arrêter d'écouter ce message en n'ayant rien reçu de ta part. Seigneur, que chacun puisse recevoir quelque chose ce matin de ta part, Seigneur. Seigneur, viens te glorifier. Amen. Donc, commençons, étant donné qu'on a 66 chapitres, on va rouler quand même... Mais au départ, ce que je veux faire sortir, que cette nécessité de l'Évangile qui est présentée déjà dans le livre d'Ésaïe, mais tout commence par un appel que Dieu fait dans Ésaïe
au chapitre 2, au verset 5, il dit, « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Il appelle le peuple de Dieu de l'époque à marcher à la lumière de l'Éternel, donc à s'exposer, à laisser Dieu nous diriger. Et on pourrait dire, « Ah oui, il disait ça pour l'Ancien Testament, mais rappelons-nous, ce même appel-là est pour nous aujourd'hui aussi. » On est aussi appelé à marcher à la lumière de l'Éternel. Ça nous montre tout le désir que Dieu a que le peuple retourne à lui, que les croyants aujourd'hui retournent à lui, que les pécheurs retournent à lui. Les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore Christ, puissent retourner à Dieu. Venez et marchons à la lumière de Dieu. Et ça devrait être presque notre prière pour tout le monde, de prier que tout le monde puisse revenir à marcher à la lumière de Dieu. Pourquoi que cet appel-là qui est fait? C'est parce qu'il y avait un problème parmi le peuple de Dieu. Il s'était détourné de Dieu et chacun évaluait les choses selon leurs désirs et le malheur était sur eux. On trouve dans Ésaïe 5, versets 20 et 21. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ah, il me semble qu'on a l'impression que c'était écrit un matin. Vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, autour de nous, on appelle le bien mal et le mal bien. Tout est correct. Tout semble correct. Et même ce qui était avant vu comme des valeurs, des grandes valeurs, sont ridiculisées aujourd'hui. Quelqu'un qui fait le bien, qui fait trop le bien, ou qui est trop spirituel, ou trop, qui recherche trop Dieu, est vu comme quelqu'un de mauvais. Donc, il y avait déjà cette réalité-là dans le peuple de Dieu, puis cette réalité-là est encore présente en 2020. Mais, est-ce que c'est juste ce qui se passe parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou ça se passe aussi dans nos vies d'église, au milieu de nous? Je pense que ça se passe parce que chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, chaque fois qu'on ne marche pas à la lumière de l'Éternel, chaque fois qu'on ne marche pas à la lumière de ce que Dieu nous enseigne, inévitablement, on s'éloigne. Inévitablement, on commence à considérer les choses qui étaient mal avant, comme le bien. Puis je suis sûr que chacun, on a peut-être un peu expérimenté ça dans notre vie chrétienne. Même il y a des choses peut-être qu'avant, on disait, hey, non, ça, on est mordicus là-dessus, puis tout à coup, c'est moins grave. C'est moins grave. Et je suis sûr que chacun, on a un peu goûté à ça. Parce qu'on ne s'éloigne pas nécessairement clairement de Dieu, mais on arrête de se mettre à son écoute. On est de moins en moins dans son intimité. On est moins en moins dans la parole. Et le mal devient de plus en plus acceptable. Hein, on a juste des fois regardé ce qu'on suit des fois à la télévision. Puis je ne suis pas en train de parler en mal contre la télé, mais juste en train de dire que des fois on suit des séries et on dit « Ah, c'est cool, c'est bon. » Mais quand on regarde tout ce qu'il y a là-dedans, tous les principes, toutes les valeurs qui sont véhiculées, ce n'est pas des valeurs qui honorent Dieu, mais on trouve ça acceptable. Donc, le prophète, lui, il va faire un constat de ce besoin d'un retour à Dieu, du besoin que Dieu intervienne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le prophète décrit Dieu. Et je pense que c'est là que ça commence. C'est quand on commence à réaliser qui est Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Là, on réalise comment qu'on marche pas avec Dieu, combien il y a des péchés qui sont encore dans nos vies, combien on a besoin d'être encore transformé. Donc, on est au chapitre 6 dans Ésaïe, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Essayons ce matin, là, pour ceux qui ont de l'imagination, de se créer cette image-là dans notre tête. Là. Si vous n'avez pas d'imagination, je ne sais pas, trouver quelqu'un à côté de vous peut-être qui peut vous aider, mais... Donc, le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissent le temple.
des séraphins, donc les anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie, est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Imaginez, les anges qui sont là, ils se crient l'un à l'autre. Hein? Imaginez, ils disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Imaginez, c'est la voix des anges qui remplit le temple et Dieu qui remplit le temple. Imaginez toute la grandeur. Et on a besoin, en aujourd'hui, je crois, de revenir à ça, de réaliser la grandeur de Dieu. Dieu est trop souvent mis dans une petite boîte. Il est tellement petit, notre Dieu, qu'il n'aime pas Dieu. Dieu est ce Dieu grand, majestueux, trois fois saint. Et imaginez tous les anges qu'il crée. Et on a besoin de ça. On a besoin de comprendre ça de mieux en mieux. Même comme enfant de Dieu. Ce n'est pas une fois dans notre vie, on a besoin continuellement de se rappeler à ça. Probablement qu'on a besoin, on aurait besoin de retourner à Ésaïe 6, probablement pendant à toutes les journées de vie, je crois, juste pour se rappeler cela. Puis, ce qui se produit quand on réalise la grandeur de Dieu, on va voir ce qui arrive, on voit à partir du verset 5, comment Ésaïe réagit au fait qu'il voit la grandeur de Dieu, et ça devrait être notre réaction à nous aussi. Il dit, « Alors je dis malheur à moi, hein? Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. » Et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quand Ésaïe réalise la grandeur de Dieu, il voit toute la condamnation. Il se voit tel qu'il est, pécheur. Non seulement lui, mais il voit son peuple pécheur. Puis il réalise que si Dieu n'intervient pas, ils sont condamnés. Ils sont perdus. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a rien qui est possible. Il n'y a rien qui est faisable. Ils ont besoin que Dieu intervienne. Et c'est ce que Dieu fait. Il envoie un ange avec cette pierre ardente. Et parce qu'il est touché, mais ça vient expier, pardonner le péché immédiatement. Imaginez. Dieu qui intervient, et quelle image du salut où Dieu qui intervient et qui vient nous pardonner. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas nous autres qui fait quoi que ce soit, mais par amour, Dieu intervient. Et c'est intéressant, hein, parce que immédiatement après que Ésaïe est pardonné, immédiatement, Dieu parle, puis il fait un appel. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et la réponse d'Ésaïe est spontanée. Envoie-moi. 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 Est-ce que ce matin, on a besoin de réaliser la grandeur de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de réaliser la grandeur, peut-être du péché qui est en nous? Oui, qui est pardonné. Mais on ne se cachera pas personne ce matin, même si on est un enfant de Dieu. On n'a pas arrêté de pécher. S'il y a quelqu'un qui a arrêté, viendrez me voir, je vais prendre votre signature. Mais la seule chose, c'est qu'on a cette assurance ou cette grâce-là du pardon assuré. On peut venir à lui, le pardon est assuré. Mais on a besoin de voir la grandeur de Dieu et c'est la grandeur de Dieu, quand on la voit, qui nous garde loin du péché. Si Dieu est petit, le péché devient moins dérangeant. Mais quand on voit la grandeur de Dieu, inévitablement, on ne peut pas dire autre chose que « Seigneur, j'ai péché, j'ai besoin que tu me pardonnes. » Inévitablement. Mais on va continuer parce que Ésaïe nous présente le salut. Parce que
Jésus, il parle de Jésus sans le nommer, d'un couvert à l'autre, je dirais, du reste de son livre. Et tout commence par la venue de Jésus. Hein, c'est intéressant. Pourquoi on peut dire que ces textes-là parlent de Jésus? C'est parce qu'ils sont repris dans les évangiles par Jésus lui-même. Fait qu'on peut dire, ah oui, ça parle vraiment de Jésus. Donc, Ésaïe 7, 14, donc, il va nous annoncer un peu la venue de Jésus, le Fils de Dieu, ce Sauveur. Ça nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est cité dans les évangiles. Donc, Dieu déjà est en train d'annoncer par la bouche de son prophète Ésaïe la venue de Jésus, qui va naître d'une vierge. Ésaïe 9, 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Un petit peu plus loin dans Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Imaginez, il est en train de nous annoncer que Dieu, parce qu'il l'appelle Dieu, que Dieu va venir comme un homme, vivre sur terre. Imaginez. Et c'est des textes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Jésus, le Sauveur annoncé, Dieu fait homme, est en train de nous présenter celui qui va offrir sa vie pour le salut. Ésaïe, même un texte qu'on connaît bien, hein, nous présente Jésus comme s'il était présent lors de la crucifixion, imaginez. Et on ne peut pas passer à côté de ce passage. Puis quand on lit ce passage-là, ça devrait nous remplir de « oh, wow ». Quelle grandeur de Dieu. Ésaïe 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Ça nous dit, « Voici mon serviteur prospérera, et il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuple un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et là, on arrive vraiment dans ce sacrifice que Jésus fait et comment il a porté le péché à nos places. Au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » Je crois qu'on a besoin de revenir à ce texte-là, qui nous présente ce Jésus souffrant. Dans le livre d'Ésaïe, il y a quatre textes qu'on appelle les chants du serviteur. Et ça fait partie des chants du serviteur. Mais les chants du serviteur, c'est quatre présentations de Jésus. Et dans ce cas-là, on voit ce Jésus souffrant qui offre sa vie pour le pardon des péchés de tous.
On est là, puis on a presque l'impression que Ésaïe est sur le bord de la croix et qu'il voit Jésus qui souffre, qui porte le péché. Est-ce qu'on oublie cela? Est-ce qu'on oublie cela? Non seulement sa grandeur, mais la grandeur de son sacrifice afin qu'on puisse être pardonné, réconcilié avec le Père. Est-ce qu'on oublie cela? Mais si on a besoin d'un sauveur, c'est parce qu'il y a un problème. Hein? Si on a besoin d'un sauveur, c'est parce qu'on a besoin d'être sauvé de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et le problème, on sait que c'est parce que nous sommes séparés de Dieu. Et Ésaïe met ça en lumière. Il met l'état du cœur de l'homme en général en lumière. Mais aussi des croyants parfois qu'on s'éloigne de Dieu. Quand on décide de marcher par la chair au lieu de cesser de conduire par l'esprit. Ésaïe 29, 13 nous dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Il a la crainte, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Parce que j'arrive au verset 15. « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font les œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit, qui nous connaît? » Imaginez, il est en train de dire que même ceux qui, dans ce cas-là, il parlait de son peuple, le peuple de Dieu, il dit, il s'approche de moi, mais il n'honore, il m'honore, juste des lèvres, juste avec ce qu'ils disent. Mais dans les faits, dans leur être tout entier, ils ne sont pas là. Ils sont plutôt en train de chercher la manière de se cacher. Parce qu'il dit, verset 15, il dit, ils font les œuvres et ils disent, ah ben, il n'y a personne qui nous voit, personne ne sait. Dites-vous une chose, quand on est là en train de pécher, puis qu'on fait ça en cachette, parce que le péché et cachette, ça va ensemble, hein, parce que on ne se cachera pas, mais quand on est, on ne se cachera pas, ça va bien, le jeu de mots, mais quand on est là puis qu'on pêche, puis qu'on... Ben, c'est parce qu'on est en train de penser qu'il n'y a personne qui nous voit. Puis si on pense que personne ne nous voit, ça veut dire que l'image qu'on a de Dieu, elle est vraiment basse. Dieu est partout. Dieu nous voit partout. Quand on pense qu'on... Ah, je fais ça là, personne ne va le savoir. Eh oui, Dieu le sait. Dieu le sait. Et s'il y a quelqu'un... Ce qui devrait nous déranger encore plus qui nous voit, c'est Dieu. C'est ce qui devrait nous déranger. Des fois, je ne sais pas comment on peut... On devrait peut-être se mettre l'image de la grandeur de Dieu, hein, qu'on a vu dans Ésaïe 6, l'écrire, puis traîner avec nous, là, tu sais. Puis à chaque fois qu'on s'installe en quelque part, on le met à côté, c'est « Ah, OK, c'est ce que t'es Dieu, OK. » Juste pour nous rappeler que Dieu nous voit. Que Dieu nous voit. Imaginez dans Ésaïe 30, verset 15, un verset qu'on lit bien souvent, qu'on se sert comme une promesse, mais que dans les faits, quand on va jusqu'au bout, c'est d'une grande tristesse. Ésaïe 30, 15, ça nous dit, je lis... C'est dans la tranquillité. Ou dans la seconde 21, ça dit, c'est dans le retour à moi. J'aime cette idée-là. Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. On ne dit pas ce bout-là, hein? Je suis sûr, là, on se prend ça comme promesse puis comme encouragement. Mais on nommait les 4-5 derniers mots. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que des fois on est comme ça? Ou est-ce qu'on sait là, qu'on peut aller à Dieu, qu'on va avoir cette paix, cette confiance, mais on ne le fait pas. On ne le désire pas. Quel contraste entre les comportements humains et puis nos choix. Parfois, comme croyants, on désire le bonheur, la paix. La réponse est toute simple. C'est dans le retour à Dieu. Puis nous autres, là, on est là, puis on cherche toutes sortes de moyens, de toutes sortes de manières. Puis là, hein, puis le retour à Dieu, c'est la repentance.
C'est-à-dire, j'allais dans une direction, puis là, je me tourne vers Dieu pour aller chercher cette paix, cette confiance, ce calme-là. Je me tourne vers lui et je suis repentant en disant, « C'est seulement toi, Seigneur, qui peux me donner cela. C'est seulement toi. » Et quand ça nous parle dans la confiance et dans la foi qu'on a envers Dieu. Maintenant, on va tourner dans des textes ou des récits qu'on retrouve dans Ésaïe qui devraient nous remplir d'une immense joie. Parce que Ésaïe nous parle du salut, de la transformation que ça produit en nous. Cela devrait être un rappel pour nous, un encouragement au milieu des temps qui sont difficiles. Ésaïe 35, versets 2 à 10. Ça nous dit, « Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul n'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Je devrais le relire 4-5 fois, mais on n'a pas le temps ce matin. Ça a l'air d'un long texte. Mais imaginez ce qu'il est en train de dire. C'est lorsqu'on reçoit ce salut de Dieu, c'est ce qui se passe. J'aime l'idée que même les insensés ne pourront pas se perdre. Et que j'ai besoin de ça. Hein? Ça veut dire que même si des fois on est insensé. C'est tellement clair, le chemin, c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est tellement clair que tu ne peux pas t'écarter. Et ça, c'est un encouragement tellement grand. Il est en train de dire où ça va être desséché, la vie va revenir. L'eau va être là abondante. Et ça nous parle de toute cette sécurité qu'on a en Dieu. Parce que il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui... Et là, on lit ça et on se dit, « Ben là, il me semble que ça brasse dans notre vie. » Ouais. Mais si on marche à la lumière de l'Éternel, comme on a vu, si on suit le Seigneur, peu importe où on sera, il va y avoir cette joie qui va être là. Puis, il va y avoir ces eaux qui vont être là et on va avoir cette assurance d'un chemin qui est tout tracé. Et ça s'appellera la voie sainte, hein, la voie de la sanctification dans certaines autres versions. C'est ce chemin qui, plus on va y marcher, plus qu'on va devenir de plus en plus semblable à Dieu. Est-ce que ça met cette joie-là? Il dit, l'allégresse et la joie s'approcheront et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Wow! C'est sûr que c'est l'image aussi quand on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais c'est aussi cette réalité aujourd'hui, en 2020, dans cette marche avec Dieu. Mais aussi plein de consolations, et j'ai le goût de vous partager ça ce matin, plein de consolations qui sont mentionnées dans le livre d'Ésaïe, mais qui sont des encouragements, des consolations pour nous aujourd'hui. Puis c'est... Je trouve que c'est pas... Tu sais, souvent on est là et on voit le salut comme quelque chose de lointain puis on se dit « Ah, ça va arriver » et puis en attendant, ben on va subir. Mais ce matin, je veux juste vous montrer qu'on n'est pas appelé juste à subir, mais on est appelé à recevoir de la part de Dieu toutes sortes de consolations. Ésaïe 40, verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité, elle est expiée, qu'elle a reçue de la main éternelle au double de tout
ses péchés. Wow! Ce matin, si vous avez reçu Christ dans votre vie, s'il est le Seigneur, le Sauveur de votre vie, il n'y a plus de condamnation. Il dit même dans ce texte, il a payé au double de tous tes péchés. Au double. Ça, c'est comme on dit, c'est s'assurer. Hein, c'est s'assurer qu'il n'y a plus de dette. C'est s'assurer que ça va être, c'est final. Au double. Est-ce que ce matin, tu crois que tu n'es plus sous la condamnation? Est-ce que tu le crois? Pas juste, ah, ouais, non, non. Est-ce que tu le crois? C'est une vérité profonde. Est-ce que tu crois que tu n'es plus sous la condamnation? Dans Isaïe 40, verset 28, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ce matin, tu te sens fatigué, épuisé. Ben, peut-être que tu es un peu comme les adolescents et les jeunes hommes qui mentionnent là-dedans qui se fatiguent. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils s'appuient sur leurs forces. Mais ce qu'il dit, c'est ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Donc, quand tu es fatigué, épuisé, questionne-toi sur... Tu marches-tu sur ton gaz à toi, là? Je vais le dire de même. Ou tu marches sur la pile électrique sans fin de Dieu qui vient renouveler tes forces, qui te donne l'énergie. L'énergie est toujours disponible. C'est intéressant. Il court, il ne se lasse point. Et moi, quand je pense à ça, moi, j'aime courir. T'sais. Mais il y a un moment donné, quand tu cours, là, un moment donné, tu es tanné de courir. Je ne sais pas si, en tout cas, si vous ne le savez pas, vous le laisserez. Il y a un moment donné, si vous ne courez pas souvent, vous allez voir, ça vient vite. Là, mais il y a un moment donné, tu es tanné, tu dis, ah. Mais ce que ça dit, c'est, tu ne te lasses pas. C'est comme, ah, on continue, ça avance, ça avance. Les forces sont toujours là, l'énergie est toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle les forces. Est-ce que tu le crois ce matin, que Dieu donne sa force? Il te donne sa force, est-ce que tu le crois? Isaïe 41. « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, je t'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejetterai point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » On dit, ah, il parle d'Abraham et tout ça, mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les descendants. Nous sommes d'une certaine manière, comme croyants, le nouvel Israël, d'une certaine manière, parce qu'on est le peuple de Dieu. Mais ce qu'il dit, c'est, je t'ai choisi. Je ne te rejetterai pas. Le crois-tu? Est-ce que tu crois que absolument rien va provoquer le rejet de Dieu? Absolument rien. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui est venu nous chercher. Tu as décidé de faire de nous son peuple, ses enfants, puis il ne rejettera pas. Est-ce que tu le crois? Puis le texte nous parle aussi encore de Dieu qui fortifie, qui vient à ton secours, qui te soutient. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu est là, présent au travers de toutes les situations de ta vie et qui vient te fortifier et t'encourager? Est-ce que tu le crois? Isaïe 41, 13, je le lis dans la seconde 21. En effet, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. N'aie pas peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez peut-être quand vous étiez enfant, puis que là vous aviez peur.
puis que vous étiez dans la détresse, puis que là, papa ou maman y arrivait, puis qui te poignait la main, puis disait, « Hey, papa, je suis là. Je te tiens la main. Je te tiens. N'aie pas peur. » Là, tout d'un coup, de l'immense panique intérieure, il y avait une paix. C'est quand? Ça va être correct. Hein? Et même l'image du parent qui prend l'enfant et qui se regarde, on va traverser, on va le faire. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est exactement la même chose. Dans toutes les situations, on dit, je suis là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu n'as pas raison d'avoir peur. Puis ça, ce n'est pas logique, juste rationnel. C'est, fais juste prendre pour acquis que Dieu est là. Puis dit, n'aie pas peur. Je suis là. Hein, des fois, hein, parce que les peurs, hein, c'est la patente la plus irrationnelle de nos vies. Hein, fait que on a tous des peurs de différentes manières. Puis quand ça part, ça part. C'est irrationnel. Mais la seule chose, le petit bout de ton cerveau rationnel doit te dire, n'aie pas peur. Dieu est là. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois qu'au milieu de toutes les situations qui te font peur, Dieu est là? Puis il te prend la main, puis il dit, « Hey, prends la main, viens-t'en. N'aie pas peur. » Ce matin, hein, on pourrait conclure en réalisant que ce que Isaïe nous présente d'un couvert à l'autre, c'est qu'il nous parle, oui, de situations de malheur, de condamnation, mais à la fois, il nous parle d'espoir. Espoir pour tout le monde. Espoir pour les croyants. Espoir pour ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Et cet espoir-là, c'est Jésus. Isaïe 55, verset, à partir du verset 1, on peut lire, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Ce que Dieu t'offre ce matin, que tu le connaisses personnellement comme ton Sauveur et Seigneur ou non, il dit, c'est gratos. Ça ne coûte rien. Viens. Viens. Viens à moi. Et un petit peu plus loin, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce matin, si jamais si tu n'as pas fait ce pas-là d'aller vers Dieu, de reconnaître que tu étais perdu, condamné, viens-lui. Et tu viens. Jésus a payé pour toi. Il veut t'offrir ce pardon-là. Il dit, change de voie. Mais si ce matin, tu connais déjà Christ, Dieu te fait la même appel. La même appel. Arrête de chercher ailleurs. Arrête de chercher ailleurs ce qui se trouve juste en Jésus, ce qui se trouve juste en Dieu. Arrêtons de chercher de toutes sortes de manières la joie et le bonheur, pensant qu'on l'a trouvé. Des fois, j'écoute des gens là, qui ne connaissent pas le Seigneur, puis je dis, « Ah, ce qu'ils ont l'air en paix! Ah, ce qu'ils ont l'air heureux! Ah, ce que tout a l'air wow! » Puis à chaque fois, je me dis, « Si moi, je trouve que ça, c'est wow, je passe à côté de quelque chose. » Parce que ce qu'ils vivent, là, c'est le summum comme humain. Mais ça, c'est en bas, de ce que comme enfant de Dieu, on peut vivre comme joie et comme bonheur. Est-ce qu'on est juste à la poursuite d'une petite joie, d'un petit bonheur, ou on veut avoir le package, tout le gros kit que Dieu veut nous offrir, de ce joie, de ce bonheur d'être en lui? Dieu nous appelle donc, même si on le connaît, à revenir à lui, comme je disais, d'arrêter de chercher ailleurs. Qu'est-ce que ce matin tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de manière différente en ayant découvert la grandeur de ce Dieu-là et cette joie immense ou cet espoir immense qu'on retrouve en Jésus?
J'aimerais juste terminer par un texte que Jésus s'approprie dans l'Évangile de Luc. On trouve dans Ésaïe 61, verset 1. Jésus dit, il avait dit, on peut dire clairement que c'est Jésus pour Jésus, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Wow! Jésus est venu pour accomplir tout ça pour nous. Guérir, pardonner, délivrer, amener une année de grâce ou une année de paix, ou cette paix qu'on peut retrouver juste en lui. La consolation. Il vient transformer le deuil en louange. Il transforme les deuils aussi en joie. Wow! Et on est là pour la gloire de Dieu, imaginez. Est-ce que c'est pas cette vie-là que vous voulez? Est-ce que vous êtes tanné peut-être de vivre cette petite vie chrétienne par vos propres forces? Quand Dieu dit, je vais le faire avec toi, et ce que tu vas vivre, c'est au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Est-ce que ce matin, vous avez besoin de ça? Est-ce que ce matin, vous avez besoin de cette nouvelle révélation, ou plutôt ce rappel de la grandeur de Dieu, afin de aussi vivre ce qui vient, c'est-à-dire cette joie en lui, sachant qu'il est si grand, et que pardonner la grandeur de mon péché en même temps, afin que moi je puisse vivre maintenant cette joie avec lui, sur ce prions. Seigneur Dieu, ce matin, merci de ce rappel de l'Évangile dans le livre d'Ésaïe. Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu puisses donner ce matin à chacun une nouvelle ou un rappel de cette révélation de ta grandeur, afin qu'on se rappelle que si tu n'interviens pas, nous sommes perdus. Et afin aussi, Seigneur, qu'on reconnaisse ta grandeur dans toutes choses. Qu'on reconnaisse ta grandeur face au péché qui est dans nos vies. Qu'on reconnaisse ta grandeur quand on vit toutes sortes de situations difficiles. Se rappelant qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien, Seigneur, qui va nous enlever de ta main. Il n'y a absolument rien qui va nous empêcher de goûter, malgré tout ce qui peut se produire, à cette joie, à cette paix, à cette délivrance, parce que tu es ce grand Dieu. Merci, Seigneur, d'être ce que tu es. Merci aussi d'avoir accepté de payer le prix pour nous qui méritions absolument rien. Seigneur, que tu puisses prendre toute la place dans notre vie. Sois glorifié par toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. Donc, je vous invite dans quelques minutes, le temps qu'on puisse se connecter, de pouvoir nous rejoindre sur Zoom. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets de prière, on est là pour discuter ensemble. Donc, à tantôt pour ceux qui vont se connecter avec nous. Puis pour les autres, on se verra pour la semaine prochaine. Donc, sur ce, bonne semaine, que Dieu vous remplisse de sa connaissance. Amen.